vaccin 40-50 est un vaccin personnalisé qui va finalement intégrer des éléments récupérés à partir du séquençage de la tumeur du patient. On va finalement, lors d'une chirurgie programmée de résection de la tumeur de patients qui ont des cancers de la tête et du cou, des cancers ovariens, disposer d'une pièce tumorale qui pourrait être analysée en profondeur. On va pouvoir identifier par séquençage de l'ADN l'ensemble des mutations présentes de cette tumeur qui a évolué au cours du temps. Et finalement, construire un répertoire de toutes les mutations repérées dans cette tumeur, les analyser par un système expert, un système d'intelligence artificielle qui va prédire parmi ces mutations celles qui ont le plus gros potentiel d'induire une réponse immunitaire protectrice contre la récurrence de la tumeur. C'est ces informations finalement qui vont être intégrées dans la conception d'un produit sur mesure pour le patient. Pour faire ça, finalement, ces informations de séquences ADN vont être combinées entre elles pour construire des cassettes d'expression de peptides antigéniques qui vont être apportées dans notre technologie par un vecteur viral qui finalement va être construit en intégrant ces informations génétiques. Le vaccin, finalement, va devoir être fabriqué dans les bonnes pratiques de préparation pharmaceutique. Donc, on le construit d'abord au laboratoire de recherche en biologie, par des méthodes de synthèse ADN, par des méthodes de clonage moléculaire, d'expansion d'un clone viral qui va ensuite finalement devenir la base du produit pharmaceutique. C'est une chaîne qui prend de longues semaines, certaines étant liées à des processus d'analyse de la tumeur à l'hôpital, de conception de la stratégie de conception de construction du vecteur. Quand le produit arrive chez nous, on va disposer d'une douzaine à quinzaine de semaines pour construire, amplifier, mettre à disposition dans un standard pharmaceutique conforme. Évidemment, un axe sur lequel on travaille pour finalement, fort des expériences tirées des premières phases de développement, identifier tout ce qui est accélérable. Donc, on travaille d'ores et déjà sur des nouvelles versions du procédé qui va finalement permettre d'atteindre idéalement 2 à 3 mois entre la décision de prélever la tumeur, de l'analyser et le temps où le produit devrait être disponible pour administration au patient. On sait que finalement, on en a validé le système de prédiction, puisque finalement, au moins 3 des mutations introduites dans tous les vecteurs ont généré une réponse immunitaire détectable. Donc tous les patients ont une réponse, plus ou moins ample. Nous sommes dans la bonne direction. Nous allons montrer dans une étude randomisée des phases 1 où nous avons en fait comparé les malades qui ont reçu notre vaccin individualisé et personnalisé par rapport à l'observation et par rapport à rien. Eh bien, nous avons observé que d'abord, il n'y a pas de rechute pour l'instant, avec un follow-up qui déjà commence à être très, très important. Follow-up, ça veut dire un suivi qui commence déjà à être relativement important. Et aussi, nous avons remarqué qu'en fait, tous les malades qui ont reçu le vaccin ont une réponse très importante immunitaire contre les protéines que nous avons sélectionnées, les mutations que nous avons sélectionnées et sur la base de laquelle nous avons fait les vaccins. Donc, c'est un tournant pour nous et aussi nous inscrivons aussi par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans les vaccins individualisés et personnalisés. Nous sommes en train à mettre en place un plan ambitieux au niveau de la production et ce plan va être aussi partagé avec les autorités de santé et nous pensons et nous sommes plutôt optimistes que ce plan va donner ses fruits dans un délai relativement bref. On sait qu'il y a un espoir, c'est possible, il y a déjà des exemples qui nous ont montré ça et nous sommes en train de réfléchir sur ça aussi avec de l'aide des sociétés d'extérieur. Enfin, quelqu'un qui aussi a de l'expertise dans ces contextes.